Bon, vous êtes tous prêts? Ouais. Ok, on y va. Alors en route. Bonjour à tous et à toutes. C'est Kirito Knight 064 et on se retrouve pour votre dose quotidienne de Final Fantasy XV. Et très certainement le dernier pour le moment des quêtes annexes. J'ai déjà dû te demander, mais tu trouves ça vraiment bon les bonus? J'ai dû le dire maintes fois, mais oui, excellent. Au programme de cet épisode, donc, on va rendre la quête des pierres précieuses à Dino, qu'on a fait dans l'épisode précédent. Donc, direction la baie de Galina. Et si je me souviens bien, il y a un chat sur le ponton, donc on va faire sa quête à lui. De mémoire, c'est une quête de pêche, donc ça vous donnera l'occasion de voir à quoi ressemble la pêche dans le jeu. Donc, une bonne première partie de cet épisode sera consacrée donc à ces quêtes annexes. Et après on prendra la route en direction de l'Estaloum pour reprendre la trame de la quête principale. Souvenez-vous qu'on devait rejoindre, il y a quelques épisodes de cela déjà, Iris, la petite sœur de Gladio, à l'Estaloum. Donc c'est ce qu'on va faire, mais après avoir donc pêché du poisson. Voilà, vous avez le programme de cet épisode. De toute façon, sachez qu'un résumé de ce qui va se passer à la toute fin, du scénario principal, sera fait dans le prochain épisode. Donc si vous voulez pas regarder celui-là parce que vous vous intéressez qu'au scénar principal, c'est pas grave, vous ne ratez rien, il y aura un petit résumé donc dans le prochain épisode. Aucun souci là-dessus. On va dire que cet épisode est à 95%, sera à 95% des quêtes annexes. Et 5% du scénario. Hop, n'oublie pas de tourner. Ah là là là. De toute façon, c'est Ignis qui conduit. Je crois que je le dis à chaque épisode, mais ce panorama, ce paysage, c'est juste... Waouh. Waouh. Avec le temps qu'il fait dehors, je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de coupure d'électricité ou autre. Ouais, je sais, c'est risqué de tourner un épisode comme ça par temps d'orage, mais quand même. Ah, faudrait peut-être se ravitailler en potion. Ah, une suggestion utile pour changer. Comment ça pour changer? Ah, pauvre Prompto. On le taquine, mais on l'aime bien. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la quête du chat au passage. Après on va rendre la quête de Dino. Après on va faire demi-tour pour aller pêcher le poisson. Je le sens bien comme ça. Ah, ça fait du bien de plus avoir à se battre. Tu l'as dit. Minou minou. Oh un chat. Tu fais quoi, toi? Une petite balade? Eh ben alors, tu t'es perdu ou quoi? Peut-être que t'as faim, hein? Eh ben voilà, j'avais raison. Attends un peu. Je vais te trouver un truc. Alors, il est pas très bavard. Qu'est-ce qu'on a à manger un chat? On lui achète une boîte? Ou alors on lui pêche un poisson? Bonne idée. On va pêcher? Ah, chat, c'est une bonne idée. Ah là là. Bon, je vous laisse le temps de lire. Avant d'aller pêcher, donc, on va aller rendre la quête des pierres précieuses à Dino. Tant qu'on est dans la lancée. Bienvenue à Galdina. Tu me dis ça à chaque fois, toi. Voilà. Allez, rendons ça à notre escroc préféré. Je savais que tu y arriverais. Ça a été? Vous avez pas eu de problème? Non, pas trop. Bon, tant mieux. Tu peux être fier de toi, tu sais. Grâce à toi, on pourra peut-être sauver plein de vies. Ah bon? La plupart des gens ne peuvent pas se risquer à sortir la nuit.
Mais certains sont obligés de le prendre, ce risque, non? Ouais, j'imagine. Bah moi, je crée des bijoux spéciaux, exprès pour ces gens-là. Et tout ça grâce à toi. D'ailleurs, tu devrais les essayer. Tiens, voilà ta récompense. Comme promis. Allez, à la prochaine. Je t'offrirai peut-être un nouveau bijou. J'ai pas trop compris le rapport entre le bijou et les gens qui sortent la nuit, mais bon. Ah, quel escroc. C'est moi ou il parle avec le nez? Entrepreneur, dis donc. Voilà. Allez, à la prochaine, tu pars. Il ne manque pas d'énergie, en tout cas. Il va finir par faire de l'ombre à Prompto. Tu l'imites vachement bien, Prompto. Eh, allez. À la voyure. Allez, on active la quête du minou. Là. Allons pêcher chat. Un kilomètre à pied, ça use, un kilomètre à pied, ça use les souliers. Allez. N'empêche, j'ai rarement vu une pêche aussi étrange que dans un jeu vidéo comme Final Fantasy XV. Vous allez voir, c'est très... sport. À croire que les poissons, ils ont des hélices dans les fesses, tellement ils vont vite. Allez, c'est parti. On va avoir droit à la longue phase de tuto. C'est la première fois que je pêche sur cette partie ? Ah, c'est pas impossible. De toute façon, si vous l'avez pas vu en vidéo, c'est que c'est la première fois que je pêche. Les poissons comestibles sont sur les cercles jaunes, si mémoire est bonne. Moi, je vous laisse ça pour vous lier, mais... Vous préférez que je vous laisse le temps de lire, comme ceci. Ou alors que je mette... ou alors, là, le truc habituel, là, vous mettez la vidéo sur pause si vous voulez lire et... On verra. Dites-moi-le dans les commentaires. L'art du moulinet. Ça y est, il a mordu. Bon, il n'y a plus qu'à le remonter. Le truc, c'est que le poisson, il fait des feintes parfois. Allez, je suis sympa. Je vais vous laisser la séquence telle qu'elle. Génial! Waouh! Bien joué, Enoch! Bah voilà! Chasse est fait! C'est pas de la truite, hein! Chasse du bon gros poisson! Allons rapporter ça au minou! Voilà, ça doit vous en faire de la lecture.
continuer à pêcher. Non. Regardez. C'est comme ça qu'on rengaine une canne à pêche. Comme un pro. Allez. Allons voir les minous. C'était l'heure de la pêche. C'est un passe-temps comme un autre pour un prince. Cette voiture, c'est pas la même que la dernière fois. Si ? Je crois que je perds la tête. Allons voir notre ami fin gourmet. Tiens, regarde, il est tout frais. Quoi? T'aimes pas ça, le poisson cru? Ah, t'aimes bien ça, mais seulement s'il est cuit, d'accord. Qu'il est compliqué, ce chat. Ah, s'il est aussi compliqué que le mien. Le mien, c'est Garfield, de toute façon. Bouffer, dormir. Et quand il dort, je vous dis pas comment il est étalé le long de... Le long de lui, il s'en fait. Mais alors, pas du tout. Garfield. Dites, vous auriez pas quelque chose qui plairait à un chat? C'est comme ça que tu dragues les filles? Hein? Quoi? Non, 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 pas du tout. Non, c'est pour le chat là-bas. Je plaisante. Je connais bien ce matou. Je vais voir ce que je pourrais lui préparer. Sauf que je n'ai plus de poisson. Un client vient de commander le dernier qui me restait. Dis-moi, tu penses être capable d'en pêcher un toi-même? J'ai envie de dire qu'on en a un quand même. On vient d'en pêcher, on en a un dans l'inventaire, non? On l'a pas laissé au chat. Quel beau poisson! Je vais le faire cuire. Ah. J'aime bien les animaux, alors fais attention. Les chats peuvent être assez collants et difficiles pour la nourriture. C'est vrai que ce chat est un fin gourmet. Il n'y a pas que lui. Il suffit pas grand-chose pour que les chats refusent la nourriture. Tiens, voilà, ça, ça devrait lui plaire. Le mien, s'il n'a pas sa boîte spécifique de pâté, eh bien accrochez-vous. Hein. Il mangera rien d'autre. Il est pourri gâté. Une fois qu'ils ont pris l'habitude, allez, c'est foutu. Tiens, minou. Tiens, voilà pour toi. T'es pourri gâté comme ça, hein? Il a l'air de t'aimer. Visiblement. Regardez-moi ça, deux fanas de poisson. Noct va lui apprendre à pêcher. Je dois prendre ça comment, Gladio? Bon. Les quêtes annexes étant faites... Direction l'Estaloum pour reprendre la trame principale. On doit être à 15 minutes de vidéo, un truc comme ça, donc... C'est peut-être pas un épisode qui sera trop long, à moins qu'on s'arrête en route, hein, c'est pas impossible. Allez, tous en direction de la ville de l'Estaloum. Non, j'ai pas fait ça. Oh putain, la bagnole. Cindy va me tuer. Cindy va me tuer. Oh putain. Et pourquoi il a pas tourné aussi quand j'ai pris le... quand j'ai tourné le volant? Oh là là. Oh mon dieu, le pare-brise et tout. Oh là 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 là. Bon ben, faudra passer à Murray dans C4. Hein. Ça c'est fait. Là. Attendez, attendez, je rêve. C'est un tombeau royal là au bord de la route. Il fait froid, le temps se dégrade. Il faudrait des passages souterrains.
Ah, c'est pas impossible, hein, parce que je sais qu'il y en a deux qui sont comme ça au bord de la route. La question c'est... Ouais, ouais, c'est bien un tombeau royal. La question c'est lequel des deux c'est. Si c'est le tombeau de la juste où se trouve le bouclier, pas de souci. L'arme est à l'intérieur. Si c'est celui du sabre du conquérant, on n'est pas dans la merde, parce que le tombeau a été pillé. Et on va se le retrouver au fin fond d'un donjon, l'arme. J'ai une chance sur deux. Et comme les deux sont dans des endroits similaires de la région de Duskai, c'est un... À moins de connaître parfaitement les lieux sur le bout des doigts, c'est impossible de savoir hein, lequel des deux c'est. Est-ce que la chance est avec nous? Est-ce qu'on va récupérer le bouclier de la juste? Évidemment, ouais. J'allais le dire. Verdict. Ah, en tout cas, c'est bien un tombeau royal. Je me suis pas trompé là-dessus. Ah, ah non, la porte est ouverte. C'est pas le bon. Ça, c'est le tombeau de du conquérant. Et l'épée a été volée par des démons et a été emmenée dans les profondeurs de la tour de Kostolmark. La tour de Kostolmark, qu'est-ce que c'est? C'est un donjon, si je dis pas de bêtises, endgame, donc après l'histoire principale. Faut retourner ici. Et je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, c'est niveau 50, 55, j'ai un trou. Ouais, autant dire que c'est pas pour tout de suite. Je crois que c'est la dernière arme fantôme à récupérer. Un donjon assez chaud. Et si je me souviens bien, dans les profondeurs, mais ça c'est encore autre chose, dans les profondeurs de ce donjon, tout au fond, il y a une porte. Si vous la franchissez, impossible d'utiliser les objets. Je crois que les mobs sont niveau 90, un truc comme ça, 99 peut-être. Je crois que c'est le pire des donjons du jeu. Bon, on va s'occuper du crapaud. Gros crapotasse. Ouais, la langue bien baveuse. Le gros crapotasse. Un peu pénible. On se regroupe. Ignis. Méfie-toi, crapotasse. Tu sais pas ce que pense Ignis. Hein. Tu vas finir en steak de crapaud, mon pauvre. Toujours se méfier d'Ignis. Il a de ses idées bizarres au pire des moments. Bon, pourquoi j'essaie d'appeler Prompto, mais ça marche pas. Bon, bah, c'est Gladio qui s'y colle. Hein. La vie qui m'arrache, le crapotasse. Wow, 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 wow. J'ai pas assez pour faire le regroupement. C'est pas grave. Il est à terre, il est à terre. On va l'achever avant. Allez, Prompto. Achève-le. Voilà, ça c'est fait. Eureka. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pensé à une nouvelle recette. Hein? Ah, j'ai hâte d'y goûter. Non. Non. Non, mais je déconne, moi, avec mon steak de crapaud. Qu'est-ce qu'il me fait, l'autre? Ah, j'hallucine, il est trop, ce mec. J'étais pas sérieux moi avec mon steak de crapaud et lui qu'est-ce qu'il nous fait? Un steak de crapaud, au calme, au calme. Ignis. Toujours vous méfiez d'Ignis, il a de ses idées tordues dans les pires des moments. Bon, petite ellipse, faut que je me calme un peu moi. Prêt? On est parti. Génial. Il a l'air emballé Prompto. Je pense que vous allez en avoir un peu marre d'entendre Calling for Rain à force.
Tiens, est-ce qu'il m'est possible de faire ça au montage vidéo? Je vais tenter peut-être un truc. Ouais, ce que je vais faire, on va laisser Calling for Rain se terminer, mais comme la route est un petit peu longue, je vais couper la musique de la radio. Et au montage, je vais vous mettre une musique sympa par-dessus, je sais pas, le thème d'Ifrit ou d'Ardine, ou un truc de boss, allez savoir, ou le truc des chocobos, pareil. Une musique qu'on n'entend pas souvent. Allez, on fait ça. Impressionnant de voir le météore en vrai. Ouais, il était carrément en feu. C'est étonnant que tu tombes ce volcan. Attends, je croyais que c'était qu'un conte de fées. Les six se sont toujours battus aux côtés des rois de Lucis, et ce, depuis l'âge de bronze. Sérieux? Sérieux. C'est vrai qu'on a un peu de mal à y croire. Tous les rois ne sont pas égaux. Ah ah ah, pas drôle. C'est reparti pour un tour? Non, c'était pour déconner. Moi, c'est pas mal ça. Final Fantasy, premier du nom. Bon. Ça me fait penser que du coup, sur la chaîne, après Final Fantasy 15 ou en parallèle, peut-être que je vous fasse la série du 13. En plus, d'après les dernières nouvelles, le remake de Final Fantasy VII, lui, il va pas sortir avant les alentours de 2020. Tout comme Kingdom Hearts 3. Donc, ça me laisse une sacrée marge pour déjà terminer les Kingdom Hearts sur la chaîne. Et je pense avoir le temps de faire la trilogie Final Fantasy XIII. Il y a aussi, je crois, le 10 et le 10-2 dans un bundle qui sont sortis en HD. Et il y a le 12 qui sort en juillet, je crois. Ou août. Non, c'est juillet. Je sais plus, je me suis pas trop renseigné sur le 12. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir votre dose de gir. Ouais, toi, la priorité. Il n'y avait pas un stop. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir votre dose de JRPG japonais sur la chaîne. Entre les Final Fantasy et la saga Kingdom Hearts. Ils sont assez similaires. Leur tunnel. Vous allez avoir de quoi il faire. Il est trop beau. Mais qu'est-ce qui nous attend au bout? La ville de l'Estalum. La seule et unique ville du royaume du Lucis. Pas du jeu, parce qu'il y en a une deuxième. Je vous laisse la surprise. Mais c'est dommage qu'il n'y ait que deux villes dans ce jeu. Oui, enfin, si on compte la capitale Insomnia, ça fait 3. Mais je la compte pas vraiment, c'est un donjon. Elle est énorme, cette ville. J'avoue que la vie de citadin, ça me manquait un peu. Un téléphérique ? Étonnant. Je me demande où il peut bien aller. Eh bien. On est arrivé quand même.
Ça aura pris je sais pas combien d'épisodes de quête annexe. C'est super chaud ici. Mais on est arrivé. Ce serait bien de trouver un endroit climatisé. Ouais. Dites, ce serait possible d'avoir une jolie chambre cette nuit ? Oui, je pense que nous devrions trouver un établissement hôtelier digne de ce nom ici. Un établissement hôtelier digne de ce nom. Je peux pas dire un hôtel comme tout le monde. Ignis. Qu'est-ce que c'est ça ? Oh, des olives ! Ah là là, de la civilisation, enfin, il y en avait marre de la campagne. Une envie de Cap Noodles. On pourrait en acheter si tu veux. Pourquoi pas ? Ça peut toujours servir. Ok, j'ai rien contre. C'est Ignis qui dit ça. C'est notre cuisinier qui veut acheter des nouilles instantanées. Attention. Eh ben, il est pas à gauche là, le marchand de Cup Noodle. C'est le truc là, non ? À droite maintenant ? Ouais, c'est ça. Voyons. Bienvenue. Je vous sers des Cup Noodles. Waouh, mais pour ce que c'est pas donné. 3 4 On est 4, j'en prends 4. Ouais, mais c'est pas donné 3 peut-être. La boutique, wow. Vous remercie. Revenez vite. C'est pas donné ton truc, hein. En plus, l'argent part vite dans ce jeu. Au début, tout du moins. Au dis début. Il y en a du monde. J'imagine que nous nous trouvons dans l'artère principale. Apparemment, elle est à l'hôtel des villes. On y va. Allons voir ta frangine. Bon. Tiens, fiston, tu veux goûter ? Ah, ouais, ok. Alors, c'est bon ? Ouais, super bon. N'est-ce pas ? Alors dis-le à tous tes copains. Ok, pas de soucis. Gladio, c'est pour ton régime. Sir Ravus Noxfleuret a récemment été nommé grand commandant de l'Empire. Sir Ravus serait revenu à Niflheim pour soigner de graves blessures reçues lors de la récente attaque de la citadelle. Le grand commandant reprendra bientôt sa mission pacificatrice au Lucis. Attaque de la citadelle que vous pouvez voir dans le film Kingsglaive Final Fantasy XV, qui est d'ailleurs conseillé de regarder avant d'attaquer le jeu Final Fantasy XV. Bon, quoi qu'il en soit, moi je vais vous laisser ici, hein, je vous laisse avec la petite vidéo, et on se retrouve pour le prochain épisode du coup du Let's Play de Final Fantasy XV. D'ici là, portez-vous bien. C'était Kirito Knight 064, alias Kirito, qui vous dit à très bientôt. C'était quoi ça ? Un tremblement de terre ? Ça va ? Je comprends pas. Un violent mal de tête. Ça va mieux ? Ouais. C'est passé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très très bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas surtout à faire partager cette vidéo, à la commenter, à la liker ou alors à vous abonner à la chaîne si cela n'a pas déjà été fait. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, des let's play, du gameplay, etc. etc. C'était Kirito Knight 064, alias... Kirito.